Certains des volcans indonésiens sont connus pour leurs éruptions, comme par exemple le volcan du lac Toba, qui a connu une énorme éruption volcanique, qui se serait produite il y a environ 74 000 ans de cela, et qui aurait provoqué 6 ans d'hiver volcanique. Le mont Tambora est connu comme la plus violente éruption enregistrée dans l'histoire en 1815, et Krakatao pour ses effets à l'échelle mondiale en 1883. Le mont Agung à Bali domine la région environnante, influençant le climat, en particulier au niveau du rythme des averses. Le volcan a connu sa dernière éruption en 1963, qui fut l'une des plus importantes et les plus dévastatrices de l'histoire de l'Indonésie. Les flots de lave ont dévasté de nombreux villages, tuant entre 1100 et 1500 personnes selon les estimations. Les coulées de boue volcaniques provoquées par les fortes averses après l'éruption ont tué 200 personnes de plus. Une seconde éruption, le 16 mai, avait provoqué des coulées pyroclastiques qui ont tué encore 200 habitants. Des éruptions mineures et des flots de lave ont suivi et duré pendant près d'un an.